Salut tout le monde, c'est Kenzo, comment allez-vous? Moi ça va très bien et aujourd'hui I'm motherfucking back pour de nouvelles vidéos in the my channel YouTube. I speak very bad English and bilingue. Voilà. Vous reconnaissez ce mec? Est-ce que vous reconnaissez ce mec qui se tient la nuit, qui commence à me casser les couilles, à tourner la tête? Arrête de tourner la tête! Voilà. Est-ce que vous reconnaissez ce mec? Ce mec est l'un des plus grands espions de l'univers du jeu vidéo. Il s'appelle Sam Fisher et nous sommes sur Splinter Cell Blacklist. Alors, Splinter Cell Blacklist. Alors, c'est un jeu que j'ai réellement déchiré. Hein. J'ai fini le jeu en professionnel, tout ça, tout ça. J'ai 2 millions de thunes que vous pouvez voir en haut à droite avec 15 jetons de multijoueur, des trucs Shadownet, etc., etc. Espion versus mercenaire. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer plutôt aujourd'hui, c'est le multijoueur parce que tout le monde connaît à peu près la campagne. Et si vous voulez des vidéos sur la campagne, vous me dites tout de suite et je vous en proposerai. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi aujourd'hui, je suis hyper content de vous retrouver. Ça fait longtemps, j'ai eu des problèmes. Alors, mon PC qui est parti en réparation, qui me l'ont rendu sans plus rien dedans. Donc, j'ai dû recraquer Vegas Pro, réinstaller Audacity et tout ça. Et le truc de la Vermedia qui marchait plus, que j'ai mis 20 minutes à faire au marché, etc., etc. Enfin, c'était vraiment la merde complète. Mais aujourd'hui, normalement, il ne devrait plus bugger mon PC, ce qui serait fort intéressant. Aujourd'hui, on va lancer du EVM classique, EVM espion versus mercenaire. Voilà, c'est marqué en haut en plus comme un con. Je ne sais pas lire. Et espion versus mercenaire, c'est quoi? C'est des espions qu'on doit pirater des postes de commande et que les mercenaires doivent protéger. Et pourquoi classique? Parce que c'est sans personnalisation. Ce qui veut dire que le mercenaire a son équipement principal de base qui est des mines, des grenades à fragmentation et un pack de ravitaillement avec des gros joueurs. Donc j'aime pas, je vais vous l'avouer, je l'ai déjà fait une fois. J'ai déjà tenté une fois de vous faire la vidéo sans résultat parce que je suis tombé contre le motherfucking fils de pute, le roi des PD qui était à un gros niveau et qui ne savait jouer que à la mine, ce qui est fort noob, ce qui représente un peu dans la communauté Call of Duty les petits noobies sans vie qui jouent avec le C4 sur les positions. Enfin, vous voyez quoi, c'est vraiment un délire total. C'est de la merde. Et c'était un enculé de fils de... Voilà. J'arrête pas de tomber contre eux. Je ne veux pas tomber contre eux. Hein. Les gros niveaux, souvent, sont les plus mauvais. On connaît tout ça dans Call of Duty. Alors, on va jouer de la MME. On va jouer de la MME. Non. Ah non, j'avais joué à un super jeu. J'en ai donné les mercenaires tentent d'extraire. Ah, je crois que c'était ça. Équipe mix, contrôle des objectifs, transmission. Je crois que c'est celle-là où on pouvait jouer espion, only mercenaire. Enfin, c'est nous qui choisissons. Et donc, bah, on va jouer avec les personnalisations que j'ai. Je vais réussir ma phrase, vous inquiétez pas. Information importante pour la communauté Call of Duty qui se trouve sur ma chaîne. Je suis désolé de vous décevoir aujourd'hui, mais j'ai vendu tous les Call of Duty suite à une connexion beaucoup trop basse. Alors pour vous expliquer, en fait, depuis 2-3 mois, normalement je devrais tourner à 5 mégas, ce qui est déjà très peu, mais auquel j'arrivais à jouer. Je tournais à 5 mégas et depuis 2-3 mois, je ne tourne plus qu'à 1 méga plutôt, j'allais dire à 100 mégas, à 1 méga. Et vraiment, ça nique le jeu en entier. Et comme le multi, vous voyez déjà que je lag. Hein, j'ai déjà 4 secondes de retard sur les autres. Enfin, bon, on va éviter de trop papoter là-dessus. Mais voilà, suite à une connexion beaucoup trop mauvaise, je ne peux plus vous proposer de Call of Duty. Donc, je sais que ça va en décevoir certains. Mais bon, je fais de mon... j'ai pris 2 balles. Je sais que je vais en décevoir. Hein, et franchement, je m'en excuse d'avance. Mais bon... c'est vraiment impossible de jouer pour l'instant. J'essaierai d'avoir une connexion potable pour vous proposer des vidéos un peu plus tard sur Call of Duty, de reprendre. Mais pour l'instant, voilà, je vais me consacrer au Battlefield, vu que c'est le seul jeu auquel je peux réellement jouer. Du coup, on fait des serveurs privés.
Et donc voilà, je suis encore une fois désolé pour la communauté Call of Duty. En tout cas, si vous aimez mes vidéos de base avec tous les jeux que je peux vous proposer, ça ne devrait pas vous gêner. Mais bon, je sais que beaucoup sont là parce que j'ai proposé du Call of Duty à mort, de la mort de chez la mort. Et donc voilà, je te vois, petit homme. Oh putain! Lui, il va m'énerver, Pro Youssef, là. Hein, il a son super pistolet silencieux, off the shore, bad boy, off the crew. Voilà. Ah putain, mais depuis ce matin, j'essaie de vous proposer une bonne vidéo. Enfin, depuis ce matin, depuis tout à l'heure, j'essaie de vous proposer une bonne vidéo où je me fais littéralement bousiller le trou de balle. C'est vraiment hardcore et je déteste ça. Enfin bon. D'accord, alors toi t'arrives à me voir et moi je ne te vois pas. Moi j'ai le mur et toi tu n'as rien. Ok, what the fuck? What the fuck, Pro Youssef TMR? Ah, je sens qu'il va pas mal m'énerver, lui, le Pro Youssef, là. À être caché dans son petit coin, là, de merde. Ah, j'essaie de vous proposer depuis tout à l'heure, je me fais littéralement bousiller depuis tout à l'heure. J'aurais dû faire des parties de chauffe au lieu d'essayer de vous proposer directement des parties. Ah, je peux pas te niquer d'ici. Je me fais avoir par quoi là? Putain. Oups. Oh là là là, ça va m'énerver encore là. J'arrive pas à jouer, c'est impossible de jouer avec des gens comme ça. Souvent, ils jouent vraiment comme les pires salopes. Bon, on va essayer de le défendre, hein, les metteurs, parce que bon, ils nous ont quand même plutôt pas mal rattrapés. Je sais pas par où ils vont respawn, par contre. Aïe. Je me suis niqué avec mon invisibilité. Hop là, j'étais niqué ta mère. D'accord. L'espion qui bat de l'aile. Super. Hop, 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 hop. L'émetteur est à nous. Cool. Ah, j'avais détecté un ennemi. Ah oh, putain, je pouvais pas le tuer là. Mais lui, il va me saouler sincèrement, lui. Il va vraiment me péter les couilles. Hein. Voilà. Putain. Ah mais ils sont déjà trois en face et nous on est deux. Putain. C'est le truc que j'aime pas, ça. C'est. Des fois, ils savent pas équivaler les équipes là. Quoique là, tu me diras, elle est plutôt pas mal équivalée. N'importe quoi, j'ai beaucoup de merde, hein, je trouve. Quoi, tu veux jouer contre ma mitraillette? Fais pas le malin! Voilà, donc en bref, je viens de tirer 30 balles à côté. T'inquiète, je te cover! Je t'ai vu, ah, poil au cul, poil au cul. Ok, c'est bon, je me calme, je me calme, je me calme, je me calme, promis. Oh, comment tu t'es fait niquer quand même, toi? Aide majeure. Ouais, on a deux émetteurs sur cinq, ce qui est pas mal.
Ce qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc aussi, oui, avec ce mode où on peut personnaliser notre mec. Voilà, vous voyez, je peux le mettre invisible aussi, mon bonhomme. Ce qui est ennuyeux lors des mercenaires versus. Versus spy. Enfin, versus. Enfin, espion versus mercenaire, c'est plutôt pas mal ennuyeux. Vu que. Voilà, on a. Les mercenaires n'ont que le. Ils n'ont que le détecteur de cible. Tu veux jouer avec moi? Viens. Allez, vas-y. Bien joué. Par contre, je sais pas par où ils vont arriver, les ennemis. Ok, par là. Où qu'il va, l'autre, là-haut, là? On peut aller là-bas. T'allais m'avoir toi ou quoi? Ah l'autre il est parti tout là-bas, l'autre bonhomme. Bon, apparemment la personne. Hein. Ah il est plus que tout seul le pro Youssef. On a fait rage quitte les autres. C'est pas mal. Pas mal du tout. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ouga, ta, ga, tonight, we are doing it. Enfin voilà quoi, vous m'avez compris. J'essaie de. Je suis stressé, hein, parce que ce mec-là est plutôt pas mal fort. Donc je suis légèrement stressé et j'essaie de détendre un peu parce que là, bon voilà, vous avez un moment de blanc. Forcément, il est tout seul contre deux. Donc il n'y a pas beaucoup d'action. Mais, on essaye de vous proposer quelque chose de pas mal. Qui t'a dit de toucher? Donc voilà, on essaye, et puis on verra bien par la suite ce que ça peut donner sur la vidéo en essayant d'éviter un maximum de gros blancs. J'espère remplir ma tâche et vous faire rire comme j'essaie dans mes vidéos, hein, même si mon humour est l'équivalent d'un gamin de CE2, on essaye, hein, écoute. Voilà, lui, je l'ai vu, il s'en va, blabla. Ah, je me suis pas mal loupé, c'était plutôt pas mal beau à voir. Ah, il a décidé de prendre la classe mercenaire. Alors, je vais vous montrer ma classe à moi. Ma classe mercenaire qui est là, donc vous voyez, protection au maximum, maniabilité de l'arme, bon, c'est pas trop ça, mais j'aime bien ma AK-47, elle est plutôt pas mal. Et j'ai aussi mon magnifique drone. Ah là là, c'est beau l'amour. Enfin l'amour. L'amour pour un drone, tu vois, je sais pas, t'as compris. T'as compris. Bien joué. Dès que je le vois, je vais vous montrer ma combinaison de drone à quoi sert. Bon, voilà. En gros, c'est un drone. Vous voyez, il est beau, mon drone, etc. Et en fait, le but de mon drone est d'aller chercher l'ennemi. Donc là, on va essayer d'aller chercher au spawn. Ce serait pas mal d'aller le trouver au spawn. Voilà, bon, en gros, mon drone, il est là pour exploser devant la gueule de l'autre et lui expliquer à quel point je l'aime. Voilà. Voilà, c'est un peu le but de mon drone, hein. Vous l'aurez compris. En tout cas, moi, j'essaye de... Ah oui, c'est vrai que lui, il peut pas se coller contre... Ah, poser le module de marquage. C'est trop bien. Ça, c'est intéressant.
Oh, ça se bastonne là-bas. Attention, on a 10 secondes pour envoyer un drone. Oh là là, boum, voilà, le drone il fait boum. Ouais, j'ai pas pu vous le montrer, ça m'énerve. À cause de toi là, t'es trop bon. Non, mais voilà, il a fini tout seul, c'est pas très juste. Ah, enfin bon, hein, faut bien un peu d'équivalence, tu vois. Ah, on a quoi à nous deux, on est niveau... je sais pas compter, moi. On est niveau 39, je crois. Si j'ai bien compté, ouais, j'ai pas eu le temps de très bien me concentrer. En tout cas, ça fait déjà un quart d'heure de vidéo. On va pas reprendre avec une longue vidéo, vu qu'en plus, on est en période scolaire. Et vous avez pas forcément tout votre temps pour regarder les vidéos. En tout cas, j'ai gagné... 60 000 $, ce qui est intéressant quand même, hein. Et on va se laisser là. Donc voilà, Kenzo is back et Kenzo va essayer de vous proposer des super vidéos. En tout cas, je vous laisse, je vous dis salut, n'oubliez pas le pouce vert, ça me redonnera la pêche pour continuer de partager ma vidéo si vous le voulez, de laisser un commentaire, j'aime bien vous répondre. En tout cas, je vous embrasse, bisous, salut la famille, peace, c'était Kenzo.